Commencez par placer les crochets sur les dents support de crochet. Ramollir la base en cire pour pouvoir fixer la queue de crochet. Commencez par placer la dent qui est le plus antérieur à l'édentement. Ramollir la cire de la base pour pouvoir positionner la dent. La surface de contact de la dent prothétique doit toucher la dent adjacente. Meulez la face proximale afin de laisser passer la potence du crochet entre la dent prothétique et la dent adjacente. Meulez le pied de la dent prothétique si la queue de crochet gêne le bon positionnement de la dent. Bien positionner la dent prothétique selon le couloir dentaire et les courbes de compensation. Les cuspides et les sillons centraux des dents adjacentes et des dents prothétiques doivent être alignés. Une fois le positionnement choisi, fixez la dent prothétique avec de la cire. La dent prothétique doit être légèrement en surocclusion afin de travailler l'engrainement cuspide fausse avec les dents antagonistes. Avec un papier articulé, fermez délicatement l'articulateur afin de marquer les points en surocclusion. À l'aide d'une petite fraise tungstène, meulez les points en surocclusion. Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que la tige incisive de l'articulateur touche la table incisive. Le placement de la seconde dent prothétique doit être en contact avec la première dent placée. Si un diastème, un espace, existe entre la dent prothétique et la dent adjacente, il doit être le plus distalé possible. Chauffez légèrement la cire à la base pour pouvoir positionner la dent prothétique. Si la queue de crochet gêne le bon positionnement de la dent prothétique, meulez le pied de la dent. Positionnez la dent en légère surocclusion pour pouvoir travailler les contacts cuspide fosse. Bien positionnez la dent selon le couloir prothétique, alignez les sillons centraux et les cuspides, ainsi que la courbe de Wilson pour l'inclinaison vestibulo-linguale et la courbe de Spee pour l'inclinaison mésiodistale. Fixez la dent prothétique à la base en y ajoutant de la cire. Avec du papier articulé, vérifiez les points en surocclusion. Meulez délicatement les points marqués avec une petite fraise tungstène. Vérifiez l'occlusion, la tige incisive doit toucher la table incisive de l'articulateur pour un bon rapport cuspide fosse en intercuspidation maxima. Ajoutez de la cire sur l'ensemble de la base pour l'épaissir et pouvoir la sculpter par la suite. Vissez les ajouts pour faciliter la sculpture. Avec une zale, découpez les bords de la maquette.
La finition est droite au niveau des dents qui bordent l'édentement. Sa limite se situe au fond du vestibule. Sculptez les collets des dents prothétiques suivant les dents adjacentes. Dégagez les dents de tout le surplus de cire. Avec une Leucron, sculptez la fausse gencive. La fausse gencive au niveau des prémolaires est concave et la fausse gencive au niveau des molaires est convexe. En dessous des collets, représentez le bombé des anneaux gingivaux. Adoucir également la découpe du collet entre la gencive et la dent prothétique. Les bords de la maquette doivent avoir une finition en mourant qui suivent l'anatomie gingivale représentée sur le maître modèle. La découpe postérieure des dents prothétiques se situe au niveau du tir occlusal. Puis enlevez l'excédent de cire de la dent prothétique. Désinsérez la maquette afin d'enlever la cire à l'intrado qui gêne l'axe d'insertion. Lissez les bords de la maquette en faisant attention à ne pas avoir de coulure dans l'intrado. Lissez la maquette légèrement avec un chalumeau. Puis faites briller la cire avec une mousse sur un mandrin à 4000 tours minute ou bien sous l'eau avec du savon.